Yo les gars, Darking pour une nouvelle vidéo sur Palladium. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Et oui, comme vous pouvez voir dans le titre de la vidéo, j'ai crafté le premier plastron en Palladium vert sur Palladium. Cette vidéo m'a pris une semaine à faire. C'est pour ça les gars que je vais vous donner un objectif de 500 likes dans cette vidéo. Voilà, j'espère vraiment atteindre les 500 likes dans cette vidéo. Oublie pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. Si t'es toujours pas abonné à la chaîne, oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça me ferait juste super plaisir. Oublie pas de partager la vidéo, c'est ça vraiment les gars qui fait avancer la chaîne. De partager la chaîne et de partager les vidéos. Donc voilà, hésitez vraiment pas à partager les vidéos. N'hésite pas à mettre un gros commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Et moi je vous laisse, c'était Darking et je vous souhaite une très bonne vidéo. Ok les gars, donc comme j'ai dit en introduction, maintenant notre objectif va être d'avoir le full Palladium vert. Mais pour avoir le full Palladium vert ou au moins avoir le casque ou quelque chose comme ça, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose en Palladium vert. Après avoir le full Palladium vert ça va être compliqué, mais écoutez, on va essayer d'avoir le full Palladium vert. Bref, nous allons vendre beaucoup de choses et je pense que dans cette vidéo nous allons vendre la hache en endium. Je pense que je vais vendre la hache en endium, ça va me faire très mal. Écoutez, c'est le seul moyen pour que je gagne un peu de money, car là je suis à 91 000 $. Donc du coup voilà, on va attendre que Axel je crois se connecte. Ouais, c'est Axo, on va l'appeler Axo. Il veut me prendre mon épée que j'ai acheté la dernière fois. Et oui, je vais déjà la revendre. Donc du coup voilà, on attend Axo et on se retrouve juste après. Ok voilà, donc je vais le TP, sache TP yes. On avait fixé un prix de 1,5 million du coup. Ah dommage, bon tant pis. Bon écoutez, slash TPA IR Axo, hop. On va mettre l'épée à 1 500 000 $. Malheureusement elle va déjà partir cette épée. Bon c'est pas bien grave, mais écoutez. Ah bah il est, ah bah oh regardez le avec sa petite épée Palladium vert. Ah la vache, il a une épée Palladium vert. Écoutez, y a pas de, ok non c'est bon, tiens je te donne l'épée en diamant. Ok nickel. Et faut savoir que je suis dans leur faction, hein, la Black Mercy. Ah voilà, les 1 500 000 $. Et je vais demander si je... Mais j'ai Axo. Waouh, regardez-moi ça les gars, l'épée Palladium vert, mon dieu. Regardez comment elle est enchantée. Solidité 3, recul 2, Deathbringer 3, aura de feu 2, tranchant 5, butin 3, inplan 4. Waouh, putain mec, il a fait un grand boulot. Bravo à toi, je te la rends. Et puis nous les gens, on se retrouve dès que je me fais un petit peu plus de money. Donc à tout de suite. Bon voilà, on a vendu notre épée. Du coup, regardez dans mon under chest, j'ai que ma hache en endium. Donc du coup voilà, et en termes de slash money, je suis à 1 591 000 $. Mais le seul problème, c'est que je sais pas comment me faire de la monnaie. J'ai rien du tout pour pouvoir me faire de la monnaie. Donc tout simplement, je pense que je vais prendre des clés et les revendre. Vous savez, on prend des clés et on les revend sur Palladium. Parce que clairement là, je peux rien faire. Donc du coup voilà, je vais prendre des clés boutique. Yes, on est là. Je vais les ouvrir et les gens, je vais les revendre. Comme ça, je vais me faire un peu de money. En espérant que bah ça serve à quelque chose. Bon bref, je vous retrouve juste après. Et en plus, ça va vous faire un petit opening. Bon voilà les gars, c'est bon, j'ai eu mes 8 clés. Donc j'ai acheté pour 32 € de clés boutique, parce qu'il y avait un code promo sur Palladium. Donc du coup voilà, j'ai 8 clés boutique. Mais je pense que je vais m'en garder 2 pour les revendre à des gens potentiellement intéressés par des clés boutiques. Donc du coup voilà, là je vais les ouvrir avec vous. Bon, ça sera pas un opening de fou hein. J'espère vraiment, mais vraiment de tout cœur avoir surtout des clés en endium, c'est ça qui rapporte le plus. Donc du coup voilà, excusez-moi. Alors les clés boutiques, c'est parti. Donc allez, on veut des clés en endium, on en veut hein. Il faut des clés en endium. Alors première clé, 8 ultra lucky box key. Donc voilà, c'est pas ouf. Pour la deuxième clé, nous avons 6 Legendary Box Key. Donc voilà, c'est pas non plus super ouf. Mais j'ai des clés Halloween ici. Ok, je le savais pas. Bon, bah nickel. Troisième clé, encore 8 Ultra Lucky Box. Ok, je commence à stresser parce qu'il me faut vraiment des Endium Box. C'est ça le truc. Ah, voilà, les Endium Box. 4 Endium Box. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Allez, si on peut en avoir 8, en vrai, les gars, ça serait juste le feu. Ça serait juste le feu. Bon, là, encore 8 Ultra Lucky Box. Encore 8 Ultra Lucky Box. Putain, les gars. En vrai, non, les boutiques, ça se vend pas ouf, ça se vend pas vraiment. Donc je vais tout ouvrir. Encore 8 ultra, putain, mais c'est incroyable. Allez, les dernières clés, la dernière clé, excusez-moi. Allez, si je peux au moins avoir une clé endium. Oui, yes, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Donc voilà ce que j'ai. Je vais essayer de tout vendre et on se retrouve dès que je réussis à vendre toutes mes clés. Donc à tout de suite. Le lingot de palladium vert pour 1 500 000 et une clé en endium. Non, c'était énorme quand même. Ça m'a remplacé mon T'inquiète. Ok, donc là, lui, il est bien vrai. C'est un bon lingot. Tiens, je t'envoie la clé. Yep. Tu l'as eu? Je la vois pas. Non, bah écoute, ok, tant pis. Attends, ça, déjà, je te lâche paye. Ça, c'est vrai, c'est blague. Bah, tu voudrais. Enfin, ok, impeccable. Oui, c'est bon, je l'avoue cette fois-ci. C'est bon. Ok, c'est bon, j'en ai bien une. Merci à toi, Darking.
T'inquiète, merci surtout à toi et puis je te souhaite une très bonne journée. Donc là, j'ai un nouvel échange avec Coup de Droit. Donc Coup de Droit qui me propose, qui veut une clé Legendary Box. Et du coup, j'avais dit qu'une Legendary Box, je la mettais à 150 000 $. Donc c'est parti, 150 000 $. Ok, nickel, c'est bon, il me les a donné. Du coup, maintenant, je suis à 341 000. Tiens, je te donne la clé. Hop, voilà, merci à toi. Ah, voilà, nickel. Maintenant, je suis à 50 000 $. Du coup, maintenant, je suis à 391 000 $. Excusez-moi, du coup, je la donne. Nickel. Et puis voilà, merci à toi, mec. Et puis les gens, moi, je vous retrouve dès que j'ai un nouvel échange. En vrai, je suis à un palladium vert là, les gars. C'est bien, franchement, c'est très 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 bien. Et j'étais en train de faire mes petits calculs avec toutes les clés que j'ai, donc 37 fois. Ça me fait 6 870 000 $. Donc je vais essayer de grimper jusqu'à 7-8 millions. Ok, nickel, il est juste ici. Donc voilà, bonjour à toi, à 7. Allez, c'est parti, on rentre dedans. Donc c'est 650 000 $ la clé en endium. 650 000 $, du coup, s'il te plaît, à 7 Vegeta. Et du coup, nous serons à plus de 10 millions de dollars. Et oui, Moni, maintenant je suis à 10 431 000 $. Allez, on drop la clé. Voilà, nickel, merci à toi, 7. Merci à toi, chef. Et puis maintenant, les gens, bon, bah, let's go ouvrir les petites clés boutique. Donc, juste les gars, je vais vous faire juste un petit récapitulatif parce que là, je pense que vous êtes un peu perdus. Là, dans le dernier extrait, vous avez vu que j'avais déjà plus de 10 millions de dollars. Je suis passé de 300 000 dollars à 10 millions de dollars. En fait, la vidéo où j'ai vendu ma hache en endium et cette vidéo-là, vous pourrez avoir le plastron en palladium vert. Donc voilà, c'est pour ça que là, je vais ouvrir les clés boutiques. Quand je dis que je vais ouvrir les clés boutiques, c'est les clés boutiques que j'ai reçues dans la dernière vidéo. Donc du coup, voilà, c'est normal que si vous êtes un peu perdu, c'est un peu compliqué, mais je vous fais cette petite voix off pour vous expliquer un petit peu plus de détails. Beaucoup de clés Ultra Lucky Box, des Legendary Box aussi, pardon. Et voilà, les clés en endium, ça part un peu moins vite, c'est normal, hein, ça coûte plus cher. Allez, c'est parti, donc là, on va aller vite. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et ben, on aura, je pense, des clés Legendary Box. Oh bah non, 4 endium. Lol. Oh non, je suis mort, j'ai 4 endium box. Bon bah écoutez, nickel. Écoutez, nickel. Allez, c'est parti. Encore? Mais what? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis mort. Tout ça, on va les vendre, hein, mais ça donne envie de les... Et si les gens arrivent... Putain, mais moi qui voulais avoir des ultra lucky box. Bah écoutez, j'ai eu que des clés en endium. Wow. Bon après, je vais pas dire non, hein, mais voilà, je suis vachement surpris et vachement content. Nickel. Bon allez, on se retrouve les gens dès que je vends des clés en endium. C'est super, j'ai trouvé un acheteur pour ma clé en endium, donc pour 600 000 $. C'est parti. Donc 600 000 $ la clé en endium, c'est cool. Je vais être à 14 millions de $ du coup. Enfin, plus de 14 millions de $. Attendez, je vais être environ à... Je vais être à 14 400 000. Ok, nickel. Du coup, maintenant, je suis à 14 496 000 $. Ça, c'est vraiment cool. Et du coup, je te passe la petite clé en endium. Voilà, il a récupéré la petite clé en endium. Merci à toi, The 57. Puis nous, les gens, on se retrouve si j'ai un nouvel échange. Ok, les gars, donc je vais avoir un nouvel échange avec Yo Soy Bad. Donc déjà, je sais même pas combien de clés il veut me prendre. Attends. Je sais même pas combien de clés il veut que je lui vende. C'est vrai qu'il veut que je lui vende 3 clés en endium, ça va être un très gros échange. Donc ça va lui faire 2 100 000 $. Il drop avant, je suis désolé les gars, mais bon, je me fais des fois... Ah voilà, en plus c'était un mec clean, donc voilà, je suis à 16 691 000 $. Ouais, c'est magnifique. Dès que j'ai un nouvel échange avec un... avec une clé endium, putain. C'est le soir, excusez-moi, j'arrive pas à parler. Ok les gars, c'est bon, je vais acheter un deuxième palladium vert, ça c'est vraiment cool. Mon deuxième palladium vert que je vais acheter à 1 600 000 $. Je suis vraiment content, je suis vraiment très content. Je vais l'acheter à 1 600 000 $, donc bah c'est nickel. Du coup, en termes de slash money, je vais être à 15 000 000 $. 15 091 000 $, donc c'est vraiment cool. Je vais pas être trop pauvre. Donc slash pay ITX, c'est bien 1 600 000 $. Faut pas que je me foire parce que ITX, j'ai envoyé que 160 000 comme un boulet. 100 000, 10 000, 100 000, 1 million. Et voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Merci énormément à toi et à ILETXYT. Je vais avoir du mal à le dire. Et on se retrouve pour un nouvel échange avec des clés ou un palladium vert. Les gars, on va avoir un échange avec Terraphos pour un lingot en palladium vert. Putain, je suis tellement content ce soir, j'arrive à avoir beaucoup de palladium vert. Enfin, j'en ai eu que deux, mais bon. C'est comme ça, donc c'est un modérateur chat. Donc on va payer directement Terraphos pour 1 750 000 $. Donc voilà, je pense que c'est le prix. Alors attendez, 1 750 000 $, paye Terraphos. Du coup, en money, maintenant, je suis à 13 785 000 $. Ça fait un peu chier, mais voilà. Et voilà, petit palladium vert. Enfin, ça fait un peu chier en vrai, non, parce que maintenant, je suis à 3 palladium vert. Et puis maintenant, bah du coup, les gars, je suis à 3 palladium verts dans mon underchest. Ah, je suis vraiment très content. C'est vraiment bizarre. Bon, bref, il n'y a pas intérêt que ça clear, hein, sinon je pète un câble. Ok, les gars, donc je vais avoir un échange avec Impress of Sun. Impress of Sun. Ah, bah, il me donne directement le lingot palladium vert. Ok, c'en est vraiment un. Nickel. Donc là, je vais payer le prix fort.
C'est 2 millions de dollars, donc ouais, ça fait un peu mal. Donc là, j'ai mis 200 000, hop, 2 millions de dollars pour Impress of Sun. Et voilà, 2 millions de dollars, du coup, ce qui fait maintenant que je suis à 11 793 000 dollars. J'étais à 16 millions, maintenant je me retrouve à 11 793 000, c'est un peu bas. Ça commence à faire bas, mais c'est pas grave. Écoutez, je pense que je peux encore m'acheter un palladium vert avant d'être en dessous de, avant d'être en dessous des 10 millions. Mais là, vous regardez, slash craft, regardez ce que je peux me crafter déjà. Et oui, je peux déjà me crafter des bottes palladium vert. Et je peux déjà même me crafter une épée, deux épées palladium vert ou même une hache. Enfin bref, je suis vraiment content. On avance bien dans l'objectif du plastron. Il nous manque encore 5 palladium vert. Moi, je vous reprends dès que j'arrive à échanger des clés. Parce que oui, les clés, il va falloir quand même que j'arrive à en vendre. Parce que là, ça va être un peu la crise bientôt. Et dès qu'aussi que j'arrive à acheter des palladium vert. Ok les gars, donc nous avons un nouvel échange avec Christas. Donc ça sera pour une clé en endium. 650 000 la clé en endium. Donc viens ici. Hop, voilà. Donc pour ma monnaie, ça va faire un peu de bien. On va remonter à 12 100 000 dollars. 12 150 000 dollars, donc ça fait plaisir. Voilà, 12 155 000, je te donne la clé. Voilà, nickel, merci à toi. Et puis dans le même temps, on va acheter un palladium vert à Sacha. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ça serait vraiment super chouette. Donc voilà, putain, et c'est gratuit, vraiment, c'est gratuit. Ça, je paye Sacha 1 million. Pas que je me foire. Donc là, je vais donner 100 000, 1 million. Hop, et voilà, nickel, 1 million de dollars. Parce que vraiment, 1 million de dollars, les gars, c'est vraiment cadeau. Donc voilà, je te donne une petite clé Legendary Box. Pour faire plaisir, parce que vraiment 1 million de dollars les gars, c'est offert. Voilà, je suis à 5 palladium vert. Je suis vraiment très content. Et puis nous les gens, on se retrouve dès que j'ai un nouvel échange. Ok les gens, donc il y a Maxou qui veut m'échanger son lingot de palladium vert contre 3 millions de dollars. Donc c'est énorme, 3 millions. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'avoir mon plastron palladium vert. Donc je suis obligé de mettre les moyens, hein. Je suis vraiment obligé de mettre les grands moyens. Ok, il arrive, génial. Ah bah il est là, ok, nickel. Bon, en fait, comme un gros couillon, il m'a demandé combien je vendais le palladium vert. Combien j'achetais le palladium vert. Et je lui ai dit 1,5 million. Il m'a dit, bon bah écoute, je vais réfléchir. Je lui ai dit, je suis prêt à mettre 3 millions pour l'acheter maintenant. T'es là un abruti, j'aurais dû dire 2 millions. Que là, vraiment 3 millions, les gars, c'est beaucoup d'argent. Mais écoutez, c'est pas grave. On est là pour... se faire arnaquer. Non, on est là pour gagner le plastron palladium vert. Donc là, je suis à 300 000, 3 millions, max 67. Et voilà, 3 millions de dollars. Du coup, maintenant, je suis à 8 175 000 dollars. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais écoutez, maintenant, je suis à 6 palladium vert. Ça, c'est vraiment cool. Et maintenant, du coup, regardez, les gars. Regardez ça. Il m'en manque plus que 2 pour avoir le plastron. Ah, putain, les gars. Super heureux d'avoir le plastron palladium vert. Ouais, je sais plus quoi dire, MDR. Bon, allez, on se retrouve dès que j'ai un nouvel échange. Ok les gars, donc j'ai un échange avec Begawan, donc ça sera pour un palladium vert, go pour 1 700 000 du coup, ouais je suis là. Bon écoutez, il veut que je paye avant, donc slash pay Begawan 1 700 000, du coup maintenant je suis à 6 475 000 dollars. Et yes, le petit palladium vert qui fait plaisir, mais j'ai Begawan. Et maintenant les gars, on est à 7 palladium vert sur 8, oh, franchement ça fait plaisir. Franchement ça fait plaisir, et regardez, on peut se faire... un pantalon, mais c'est pas ça c'est pas ça qu'on veut. Il nous manque juste un palladium ici et on aura tout le palladium nécessaire pour faire un plastron palladium vert. Moi, je vous retrouve dès que j'ai un dernier acheteur de palladium vert. Les gars, je crois que j'ai trouvé mon dernier vendeur. Gloire de mon petit palladium vert et mon plastron palladium vert. J'ai donné 2 250 000. Oui, c'est bon, j'ai donné 2 250 000. Petit chef. Et puis maintenant, les gens, regardez. Ça va être un truc de ouf. What? J'ai plus mes lingots de palladium vert? Oh non, 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 c'est impossible. Non, 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 je vais. Non, c'est incroyable. Non, je vais aller voir un modo. Bon, les gars, j'ai parlé avec Betacrax et il m'a rendu mes 3 palladium vert. Du coup, maintenant, c'est bon, je suis à 8 palladium vert. Regardez ça, je suis vraiment très, 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 très content de les avoir. Trop content, vraiment trop content. La vidéo va se terminer pour avoir le plastron palladium vert. Je suis vraiment très content. Et on va se craft le plastron juste après. Allez les gars, c'est parti pour craft le plastron en palladium vert. Je suis vraiment mais super content de le crafter. Allez hop, 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 hop. Ah voilà, nickel, plastron en palladium vert. 3, 2, 1. Et voilà, je l'ai. Ah, nickel. Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et je tenais encore à remercier Betacrax, hein, qui m'a vraiment aidé et qui a été vraiment très, 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 très
vite. Qu'est-ce qui... Enfin, vraiment, ça s'est fait vraiment très vite pour qu'ils me rendent les 3 palladiums verts. Et voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le gros like des familles, comme j'ai dit en début d'introduction. 500 likes, j'espère vraiment les avoir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Ça prend 2 secondes et d'activer la petite cloche. N'oublie pas de commenter. N'oublie pas de commenter la vidéo pour me dire ce que t'as pensé de cette vidéo. De partager la vidéo et la chaîne en général. Et moi, je vous laisse. C'est Dark King. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Vanadia. Bisous tout le monde.